Comment installer donc Paygame dans Python pour avoir donc cette librairie Paygame qui vous permettra de faire des petits jeux vidéo en 2D? Bah, je vous propose deux méthodes pour l'installer. Donc il y a déjà une première méthode pour ceux qui utilisent le fameux logiciel donc EduPay, qui est le logiciel utilisé, l'IDE utilisé par tous les lycéens pour programmer en Python. Alors cette première méthode, elle consiste à utiliser la console donc de commande Windows. Pour ce faire, vous allez dans votre barre de recherche des programmes et vous recherchez CMD. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le raccourci Windows R et taper CMD, puis OK ou Entrée. Vous obtenez donc cette fenêtre de commande. Et avec cette fenêtre de commande, vous allez taper donc une instruction qui va vous permettre d'installer donc cette librairie. Voilà. Donc vous tapez python-m pip install paygame. Vous tapez entrée et l'installation se fait automatiquement. Alors chez moi il est déjà installé, c'est pour ça que j'ai ce petit message. Voilà. Autrement, pour ceux qui ont l'IDE qui s'appelle PyCharm, donc là pour installer une nouvelle librairie dans PyCharm, vous vous rendez dans PyCharm et il va installer pour vous cette librairie dans vos projets. Donc du coup vous faites soit un nouveau projet, soit dans un projet dans lequel vous êtes, et vous allez dans fil ou dans fichier, vous allez dans settings, c'est-à-dire dans paramètres. Et ensuite vous allez dans projet, et dans projet vous allez dans projet interpréteur. Donc le projet portera le nom de votre projet, et dans le projet interpréteur vous voyez les différentes librairies qui sont déjà installées donc dans votre version. Et si vous voulez rajouter, si vous n'avez pas Paygame, vous voyez que moi je l'ai ici, j'ai aussi pip qui est aussi la manière dont on a installé tout à l'heure. Et bien pour installer Paygame, tout simplement, vous cliquez ici sur le petit plus, vous cherchez dans la liste Paygame, donc vous le trouvez en premier et vous n'avez plus qu'à l'installer tout simplement ici en installant le package. Voilà tout simplement comment vous pouvez installer donc cette librairie Paygame qui vous permettra donc de faire des jeux vidéo programmés en Python.